Cette semaine à Saint-Crème, c'est le retour du baseball! Fait qu'on fait des hot dogs sucrés! Quand tu vas au baseball, qu'est-ce que tu manges? T'sais? Des hot dogs, de la bière, des chips, tu sais? Fait qu'on vous fait un éclair hot dog. Pour le pain hot dog, c'est une pâte à choux. On commence à faire bouillir le lait, le sucre, le sel, puis on vient ajouter aussi le beurre. Une fois que ça boue, on incorpore notre farine, puis on mélange jusqu'à temps qu'on ait une belle pâte là, qui fasse floc, floc, floc. Alors là, on sort l'huile de coude. Voilà, quand ça pogne de même, puis ça devient plus lisse, là, on a une belle pâte à choux qui est prête. Ça fait floc, floc. Après ça, on vient mettre la pâte là-dedans. Puis là, j'ai ici des œufs déjà battus qu'on va incorporer tranquillement à la pâte. On donne un petit boost à high. OK. On met ça dans une poche à pâtisserie, puis on vient dresser ça en long boudin de 10 cm sur une plaque à pâtisserie, évidemment avec une feuille. On envoie ça au four 10 à 15 minutes à 400 et ensuite de 20 à 30 minutes à 350. On a ici une chantilly chocolat au lait, de la crème et du chocolat au lait, that's it, qu'on a fait la veille. Et on vient vraiment fouetter à la dernière minute parce que sinon ça va refiger au frigo. Et voilà. C'est le résultat qu'on veut. On vient mettre dans une poche, encore une fois. Et puis là, maintenant, on peut aller préparer les pains hot dog. Une fois que la pâte à choux est refroidie, on vient couper le dessus en V. Alors, la chantilly qui va être comme notre saucisse. Alors, on veut vraiment faire un beau trait. Peut-être qu'on peut le remplir, ça va éviter qu'elle cale dans le fond. Voilà. Puis ensuite de ça, on sort tout simplement nos pipettes de moutarde. Alors, on a une gelée cette fois-ci d'ananas et l'autre de framboise. On est venu faire des beaux zigzags. Comme au baseball, eux, ils prennent le temps de nous faire des zigzags, hein? Hey, sérieux, à la maison, je te lance le défi de faire plus hot que ça. Bon baseball! Scheiße! Volkswagen!